Hello, bonjour, bonsoir. Moi, retourner pour une autre vidéo. Comme nous déjà, ouais, de qui ça m'a parlé dans la vidéo, avant même que moi entre dans la vidéo, m'a pris un petit temps pour me dire un grand merci avec tout ancien et nouveau abonné mieux. Ou même qui toujours partager, commenter, like, m'a dit un grand merci. Et ou même qui passe sous télé, magazine, qui peut abonner. Ma même vidéo, s'il vous plaît, abonnez et pas oublier, activer la cloche là à chaque fois que moi poste un nouveau vidéo pour capable recevoir notification moyo à temps d'apporter dans la vidéo à sans perdre de temps. Docteur, bonjour, comment est-ce que comment vous sentez matin? Par la grâce de Dieu, n'a pas moi c'est docteur Figaro Guerre, c'est un responsable Gospel Creole Ministry. Et Gospel Creole Ministry, télé magazine confinement et le devin fermer l'église officiellement. Eh bien, il est toujours, il mettait l'église virtuelle sous pied, l'église adventiste virtuelle. Donc, c'est ça qui fait que normalement, nous toujours à émettre sous pied. Donc, tout le monde à travers le monde a regardé par intermédiaire de Gospel Creole Ministry. Il faut me dire que Gospel Creole Ministry, il sortit dans le chorale Gospel Creole parce que son ministère de même chorale, ça, Gospel Creole. Eh bien, donc, nous toujours, nous avons en pile séance, prédication, etc., conférence, débat. Et formation aussi, formation des jeunes. Et là, on a bouclé la première année d'existence, non? Parce que c'était en mars. Et malheureusement, hier soir, il était 1er avril, il était vers 9h du soir, comme ça. 9h moins 2, moins 3. Et que trois mouns à l'examen fait éruption dans la salle. Là. Ils ont braqué les mouns et ils ont enlevé et 4 mouns qui étaient en dedans. Et parce que nous avons environ une douzaine de monde en dedans, parce que son salle, son église virtuelle que lié. Et puis ensuite, il est parti avec. Alors, le monde qui a enlevé, c'est pasteur Odalus Estimé, c'est lui qui était en chair. Et c'est pianiste Welmire Jean-Pierre, que tout le monde bien connaît, c'est pianiste Gospel Creole lié. Et il y a Francisco Deriska, qui lui-même, c'est caméraman, avec Steven Jérôme, qui est caméraman. Donc, c'est 4 personnes qui ont enlevé de Gospel Creole Ministry. Nous regrettons ça qui passe en pile et ça fait nous mal en pile pour nous voir que dans le service que nous avons bail, et bien entendu, c'est service à bon Dieu et que nous avons bail communauté pour quelques incidents aussi malheureux. Et selon témoignage, puis il y a des gens qui étaient venus, c'était des jeunes. Moi, je pensais que Jésus mourait pour tout le monde. Et même si on a quand la vie sur Kounia, mais nous souhaitons que demain que vous reprenne chemin et que vous fassiez route avec bon Dieu, parce que c'est là seulement qui gagne bonheur. Et nous déjà gagné un bel monde ça déjà. Nous pour gagner information, nous pour rencontrer en contact avec eux. Mais n'apprêtant impatiemment et n'apprêtant mon bon Dieu. Alors d'après François Kenny, c'est pas la deuxième fois qu'il t'a attaqué du kidnapping. Comment comprendre ça? Bon, en effet. Et c'est un bagage qui est un petit décourageant tout parce que c'est petit moins que j'ai kidnappé, ça fait à peine 6 mois et que Kounia encore y aurait frappé Gospel Creole Ministry. J'ai l'impression que c'est parce que ou c'est un monde qui te mettait à l'étude dans le pays ou à travailler pour le pays ou à faire service parce que c'est médecin, ophtalmologue et tout le monde connaît que ou venir quand même à bon service. Et dans une communauté comme ça, qu'on travaille et qu'on est très utile. Donc, l'on frappe comme ça, il y a un petit genre, il frappe en pile, il veut décourager, même pour t'abaisser les bras. Mais par la grâce de Dieu, je souhaite que nous qu'aimer. Petit toi, c'est qui côté de la petite victime? Il faut me dire qu'il était dans la salle là tout. Il était dans la salle là, le bain là, passé, mais il parle avec, c'est avec 4 autres monde qui est allé. En quelle salle il était? 9h moins 2, 9h moins 3, comme ça, et 1er avril. Pas d'agression physique? Pas d'agression physique. Alors, ils ont déjà poussé. Quel est le magasin? Mais comment? Et non. Alors, l'information que j'ai, la machine qui est derrière, il n'y a pas de vite teinté. Il n'y a pas de vite teinté. Tu vas regarder la plaque là? Et non. Non. Vous dites machine qui était derrière, c'était plusieurs machines? C'était 2 machines parce que c'est avec 4 personnes. Il y a 3 personnes qui étaient rentrées dans la salle là. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs matchs. Je dis à ce vendredi, c'est comment on a préparé malgré le drame ça a passé pour nous accueillir dimanche par là. Tout le monde a été effondré. Mais n'a pas qu'un bé parce que nous croyons que si ça, bon Dieu, il y a trop de façons pour empêcher ça arriver. Et s'il permet que l'arrivée, il y a une raison bien valable.
et moins sûr que c'est pour gloire éclater. Qui ça n'a pas de ravisseur n'a pas de miracle bon Dieu. Nous m'a des ravisseur yo pressé et la gueule monde ça pour nous. Bail gospel créole ministre en chance. Et permettre que ce travail bon Dieu que n'a fait, c'est dans ça nous quoi, c'est dans ça n'a pas avancé et que yo la gueule monde ça pour nous. Nous t'a content. N'a pas doré de mes cheveux parce que ah bien sûr. Bien sûr. Mais nous avons passé jusqu'à présent la police pour faire intervention. Du moins, est-ce que les CPJ vous pouvez mener des enquêtes, contacter les policiers? Non. Tu as un groupe qui passait pour prendre des informations, etc. Non, mais pas gain pour qu'on aucun avancé sur le plan. Vous ne pouvez pas kidnapper non. Libération était contre la rançon, vous ne pouvez pas kidnapper non. Ah, mais assurément, c'est toujours comme ça. Parce que, docteur Grille, quelle information au Cabane sur nous? Non, c'est des pères de famille, c'est des jeunes. Bon, OK. Bon, en principe, OK. Et deux pères de famille et c'est-à-dire que prédicateur là et pianiste là et de l'autre c'est des jeunes. Mais où même des techniciens. Comment comprendre ça qui passe là? Bon, moi j'ai toujours pensé que plus c'est la deuxième fois que je me frappe, je me suis pensé que bon, il y a un gens visé parce que peut-être dans la communauté ou très présent par exemple dans la partie sociale, ok, dans sa service quoi bah communauté, moi je pense que et puis ces dégradations sociales là, c'est le moment qui est comme ça. Ça prend quoi de vous activer? Ah, c'est une grosse question qu'on pose parce que moi je crois que si moi là toujours parce que nous plusieurs mais tout le monde allait déjà si moi là toujours c'est parce que n'a fait résistance. Mais bon Dieu devant nous des Nabgadi. Ou un message à l'église? À l'église, c'est moi invité pas l'église seulement, à toute communauté à aider dans la prière parce que là nous besoin là en pile prière et pour bon Dieu agir, pour bon Dieu faire éclater gloire dans situation ça. Depuis combien de temps? Oh, je grandis net dans Dikini 63. Il dit j'ai 57 ans, donc ça veut dire j'ai 57 ans dans Dikini. Docteur Grigier, comment comprendre parole on série de citoyens abdi, tu fais connait l'église toujours neutre, fait silence sur tout ça qui a passé dans le pays. Donc il y a des gens qui disent pas parler. Donc comment comprendre la position de l'église par rapport à toute crise pays a fait face? Il n'y a pas jamais une position. Je ne peux pas me sortir dans le silence pour dire halte là. Bon, moi pense que puisque l'église à vocation, c'est-à-dire premier bagage c'est que li croit dans un bon Dieu qui détermine tout ça qu'a fait. Donc yo croit en pile dans la prière, OK? Alors faut agir aussi, mais yo croit en pile dans la prière, yo croit que puissance bon Dieu qu'a transformé et il dit aussi dans la Bible que si peuple côté que s'il a invoqué nom, l'a prié, et ben lui-même li cap changer. Moi je pense que et travail que a faire en tant qu'église d'ailleurs. En tant qu'église, il y a un pile jeune qui là, il y a un pile grand monde, un pile adulte, donc il y a des formations qui a fait, donc ça aussi, il joue un rôle qui est très important dans la société. Donc moi crois que autant que tu as plus l'église, autant qu'il a gain plus rôle, nous t'a cap et bail au Christ dans la société et permettre que il pas arriver dans dérive ça et que nous gain une meilleure société. Moi crois que c'est une grosse responsabilité que l'église gain aujourd'hui. Et moi crois que c'est ça qui t'a poussé nous à Kembe Gospel Creole. Gospel Creole Ministry, nous avons un gospel des jeunes déjà, qui était un programme qui était fait pour toujours jeunes, pour faire éducation, pour faire formation, etc., pour comment ils apprennent un destin en main. Donc c'est ça nous toujours, c'est promotion ça que nous toujours apprenons, que nous toujours apprenons. Ok, donc nous connaissons Madame Pasteur estimée, elle n'est pas en Haïti. Nous entrons en contact avec elle. Comment elle apprend la nouvelle là? Ah, elle est effondrée. Elle est effondrée, d'autant plus que Pasteur, c'est pour nous qui sont trop en santé. Donc nous comprenons son situation assez difficile que nous avons. Vous dites pas en santé, c'est ça? Oui, il n'y a pas en bonne santé. Donc parfois, il y a un problème d'estomac. Donc parfois, dans un régime ni longe très strict donc on connaît que l'on parle à chaos et puis pour un régime strict donc nous comprenons la difficulté que ça posait et l'on parle à chaos. Réaction ravisseur quand vous réalisez que vous avez filmé qui est caméra qui vous vient bien? Bon, moi je me dis bon,
pas connaît, peut-être yo même y a pral wèl plus tard. OK, ben peut-être c'est pas inadvertance là, parce que si yo passé devant caméra, c'est-à-dire que nous même c'est un programme live, c'est que tout le monde t'a assisté comme ça. Est-ce que devant caméra? Il y a un pile monde qui pensait non. Il y a un pile monde qui pensait parce que c'est un programme, son programme d'église que n'a transmettre live donc à travers le monde, tout le monde a suivre comme ça. Il y a monde qui fait quoi que et ravisseur pas au courant c'était une caméra, mais il y a monde qui comprend tout, c'est tellement à l'aise, donc ça va tellement déranger si t'as parlé de ça. Ça pas connaît. Bon, en tous les cas, nous connaissons que Monti Jean très consterné par ça qui passait. Il me pensait que faut prendre le temps pour nous prier, donc moi merci nous parce que nous venons et porter support par nous dans façon par nous. Nous permettre que caméra ça me parler aussi avec ravisseur, nous demander by gospel créole ministre une chance, ballon chance et la gué serviteur bon Dieu, c'est dans service bon Dieu que nous t'ayé et nous pas gain pile, nous pas cap bail, c'est dans coller pied c'est que nié. Donc mais by l'église là une chance. Merci un peu. Moi c'est docteur Figaro, c'est un responsable et gospel créole ministre. Merci un pile, que bon Dieu bénisse.